ça. Haïti qui fait abstention et malgré Pinga, États-Unis dévoué par les pays membres OEAO concernant la position adoptée sous crise politique Venezuela à l'occasion 48e Assemblée générale, organisation qui s'est déroulée lundi 4 à mardi 5 juin en Washington. Bien, position Haïti justement sous dossier Venezuela, quelques temps avant même vote là hier soir, pas de changer. À travers le ministre des Affaires étrangères Antonio Rodríguez, Haïti était plutôt encouragé une solution pacifique dans la crise là en tout citoyen Venezuela et sans ingérence de l'autre État membre. Elle était clair, Haïti t'apprale voté dans ce sens ça, dans ce sens côté Haïti positionnel et l'effet abstention. Un vote stratégique pour analyste en relations internationales. Dans un moment côté Washington, tu voyais un signal clair par les dirigeants haïtien yo, lol, l'autre parfait vidéo, non, y a une réception qui est déroulée non, Washington, justement, il pas invité autorité haïtien yo, non, réception ça a déroulée non, à la Maison Blanche, chaque pays qui gagnait même tendance à clé qu'a demandé pour mettre Venezuela de yo, non, OEA. Alors, non, pas tout près, c'est en pile pression, autorité américaine yo tap fait sous dirigeant haïtien selon information que nous gagné programme TPS là qui était censé retourner sous tapis, puisque nous connaissons que c'est ton dossier qui était classé, puisque l'administration américaine a dit après juillet 2019, pas gagné. Possibilité pour TPS Nanta renouveler, mais dossier ça a été offert surface comme promesse pour Yota reconsidérer la faveur compatriote haïtien si seulement Haïti te voté dans ce sens pour côté Venezuela dans OEA. Avant d'aller rejoindre spécialiste en relations internationales, Fernando estimé pour une analyse sur vote Haïti qui choisit fait abstention. On a recevoir journaliste Jean-Venel Casséus qui a dirigé un site information en ligne Haïti's News. D'ailleurs, dans un article publié matin sur dernière assemblée générale OEA dans Washington, lui poser question ça, que signifie l'abstention d'Haïti dans le dossier vénézuélien. Alors, et ces questions-là, nous avons posé au Jean-Venel Casséus pour démarrer cette échange ça matin sur le point ça, qui est actualité depuis quelques jours. Bonjour Casséus. Bonjour Pierre-Lonel René, bonjour à tous les auditeurs Caraïbes FM. C'est toujours un plaisir pour être venu sur Antenne Radio. On m'a dit qui ça, surtout que vous pensez par rapport à ce qui a passé dans le pays. Mais là, spécifiquement, pour nous parler de conditionnement avec ces news. Par rapport à tout ce qui s'est fait hier dans la 48e Assemblée générale OEA, parce que nous avons eu pile d'informations qui ont circulé, il y a une pile d'interprétations qui ont fait par rapport à la décision qui prend par rapport à Venezuela hier dans la 48e Assemblée générale. Là. Nous-mêmes, dans l'IT News, nous clés, et nous disons que le vote qui fait hier soir, c'est pour vote qui fait pour mettre les Vénézuéliens. Et organisation vénézuélienne, mais c'est plutôt un vote qui fait pour faire une injonction à Venezuela. Pour que Venezuela met ensemble de bagages pour faire, et si on ne fait pas, il y a appliqué la stricte conformité et à tout fait avec une charte et OEA. Donc, qui ça veut dire? Ça veut dire que je viens là, 19 pays, dans l'organisation, dit Venezuela, bon, nous pas d'accord à l'élection qui s'est faite et rien de tout passé à la côté Nicolas Maduro lui-même est réélu comme président de la République. Nous dit Venezuela qui n'est pas d'accord à façon de la traiter monde et la vie. Donc nous faisons un ensemble de recommandations, 9 recommandations, et deuxième point qui est dans la résolution, c'est demander et conseil permanent OEA. Donc, pour les appliquer strictement à l'article 20 à 21 de la charte interaméricaine. Donc, et Venezuela a un pinga. Et ça ouvre la voie à tout pays qui n'a Amérique là où il est capable de trouver une solution dans la politique extérieure et Venezuela. Pour répondre directement à la question qu'on a de Pierre-Renel, et votre Haïti, attention à Haïti, l'église dit que ça. L'église dit que
Mais par contre, si vous dites non, Maduro, né élu ou mal élu. Et par contre, si vous dites non, des problèmes droits humains dans le pays Venezuela. Et par contre, si vous dites non, pays, c'est l'Amérique, là, donc il faut des bouchons dans la cause et politique intérieure Venezuela. Donc c'est ça. Haïti, là, même pour post-pilate, votre abstention haïtienne, c'est ça. Là, même pour post-pilate par rapport à d'autres pays. Donc, il même une pression regarder, même la vie de ce pays, tout ça, c'est ça qu'a fait. Et tout à Venezuela, c'est le pays où il était par rapport à Venezuela. Donc, il n'y a pas un vote stratégique par rapport à pression et le tapot se voit des autorités américaines. Donc, là, il y a qui ça, il y a reproché Haïti, c'est-à-dire autorités américaines qui a fait pression pour Haïti voter dans le sens pour retirer et Venezuela dans l'OEA. Ok. Et avant votre là, hier, Nike News a publié un article côté que nous avons dit clairement que des promesses qui faites à Haïti, s'il votait en Venezuela, dossier TPS là, des possibilités pour nous rediscuter. Et en plus de promesses qui faites, dont des encouragements à l'investissement direct, dont des financements à des organisations féminines en Haïti, donc bon somme de promesses qui étaient faites à Haïti, s'il était voté contre Venezuela. Et pour l'autre élément qui est très très important, Pierre-Renel, pour nous spécifier, votre qui fait hier là, ce n'est pas lui-même qui te prévoit, en fait. Il te prévoit un vote direct pour expulser Venezuela dans l'organisation. Mais malheureusement, le groupe de Lima, et qui est là en Argentine, Brésil, Chili, et que les États-Unis, les mêmes, c'est un gros supporter, groupe de Lima, ils n'ont pas arrivé à joindre 24 pays où dans ces résolutions pas passées. Donc c'est ça qui fait une grosse modification qui est faite dans la résolution. Parce que selon l'article 21, Chap et Ola, pour mettre un pays dehors, il faut gagner deux tiers de membres.